Hello, bonjour, je vais parler de Meghan Markle et du prince Harry. On va parler du jeu des tabloïds. Les trolls et les haters ont toujours attaqué Meghan Markle et le prince Harry parce que ils pensent que Harry et Meghan sont des choses au moment où il se passe quelque chose dans la famille royale, alors que ceux-ci ne font que vivre leur vie. Et on a répété plusieurs fois qu'on dit on parle des fans de Meghan Markle, on dit à plusieurs reprises que la plupart des photos que les paparazzi prennent de Meghan Markle sont prises quelques jours avant qu'il y ait un quelconque événement de la famille royale. Mais les trolls et les haters ne veulent pas croire. Donc, je vais prendre un exemple ici. Quelques photos de Meghan Markle ont été prises il y a quelques jours de cela, alors qu'elle se rendait dans la librairie dont je vous ai parlé. J'ai fait une photo d'elle lors d'une inauguration d'une librairie et aussi d'un club de lecture. Et les gens s'étaient plaints en disant que le décès a rendu un jour avant qu'on nous commémore le deuxième anniversaire du décès de la reine d'Angleterre. Pourtant, c'est une cérémonie qui est arrivée 3 jours avant. Donc, on ne va pas quand même l'empêcher de vivre sa vie parce qu'il se passe passer quelque chose dans la famille royale. C'est ridicule. Donc, pour vous montrer que c'est voulu, que les tabloïds font ça exprès, des photos de Meghan Markle ont été prises alors qu'elle marchait, se rendait justement dans cette librairie quelques jours avant l'inauguration. Donc, cette photo que je vous montre ici a été prise le 2 septembre, n'est-ce pas? La commémoration de son décès a eu lieu le 8. Et ils avaient ces photos depuis longtemps, mais ils ne les ont pas postées parce qu'ils savaient très bien que ce sont des photos qui ont été prises le 2. Donc, il aurait été facile de vérifier. Non, ils n'ont pas posté ces photos-ci. Ils ont juste posté des photos qui se rapprochaient un peu plus de la date pour soutenir cette narrative-là. Donc, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils ont sorti ces fameuses photos de Meghan Markle marchant dans les rues, talons de Montecito, et se rendant à la librairie. Donc voilà, c'est pour dire ici, pour ceux qui disent que oui, ils font exprès, je crois même qu'il y a certains fans de Harry et Meghan qui le pensent aussi. Pourtant, c'est juste de la manipulation des journaux, des journalistes qui font exprès. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.